Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la vidéo du thème du mois. Et oui, déjà fini un autre mois, on commence le mois de juin. Et bien sûr, on va souligner l'arrivée de l'été. On va souligner les vacances. Donc, le thème de ce mois-ci, ce sera les vacances d'été. Donc, j'ai trouvé tout plein d'idées. Je pense que vous allez être servis ce mois-ci avec ce thème-là. Donc, je vais arrêter de blablater. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, je crois que je filme de trop près parce que j'ai peur que vous ne voyez pas bien les livres. Donc, je replace la caméra et je vous reviens. Donc, je crois que ça devrait être mieux comme ça. Donc, j'ai sorti tout plein d'idées. Vous allez voir, j'en ai tout plein à vous montrer. Mais comme je vous dis, à chaque mois, vous n'êtes pas obligé de prendre les livres que je vous montre. Vous n'êtes pas obligé de prendre les idées que je vous montre non plus. Vous pouvez y aller avec du Disney, du hors Disney, n'importe quel livre, tant que vous respectez le thème. Moi, je vous donne que des idées pour ceux qui n'ont pas trop envie de chercher et qui ont les mêmes livres que je vous présente. Donc, je l'ai trouvé dans celui des saisons de Rita Berman. Donc, j'ai trouvé celui-ci, le camping, hein, ça représente bien les vacances d'été. On fait du camping en été. Bon, il y en a qui en font en automne, mais moi, c'est plus l'été, hein. Fait froid un peu en automne. Donc, voilà. Alors, celui-là, c'est une double page, hein, mais je trouve que ça représente bien l'été. Ensuite, j'ai trouvé cette image-ci qui est des marchands, hein, bien sûr, le classique de l'été, des marchands de fruits. Donc, si vous avez envie de faire ce genre de colo, ça fonctionne aussi. Et j'ai aussi trouvé des plages. Bien sûr, je vais vous en montrer tout plein des plages et je vais vous montrer aussi des plages qui font comme Hawaï, vous savez, les pays chauds, là. Donc, voilà pour le livre de Rita Berman. Donc, si vous avez celui-là, je vous ai donné ces idées-là. Mais comme je vous dis, s'il y en a d'autres qui vous tentent dans le livre et qui respectent le thème, ben allez-y. Ensuite, j'en ai trouvé dans le romantique Country Scene de Teresa Goodridge. Bon, il y en a plus que ça, mais j'en ai sélectionné deux. Donc, j'ai pris celui-ci, les petits cocktails au bord de la plage avec les petits coquillages. Je trouvais que ça représentait très, très bien l'été avec aussi les palmiers, donc les vacances. Donc, voilà pour celui-là. Et un autre petit colo sur le bord de la mer avec encore une fois des palmiers, un petit kiosque de cocktails. Donc, je trouvais que ça respecte bien le thème. Ensuite, bien sûr que j'en ai trouvé dans le Moe Mermaid de Annaline. Et si vous avez ce livre-là, je crois que tous les colos fonctionnent. Bon, j'ai sélectionné mes préférés, je vous montre. J'ai pris celui-ci avec la planche de surf et derrière elle, hein, il y a la mer. Donc, je trouve que ça représente très, très bien les vacances. Ensuite, il y a celui-là avec la sirène et le paradis derrière elle. On serait-tu bien être là? Ensuite, j'ai sélectionné celui-là hein, qui me faisait beaucoup penser aux vacances avec le totem, les grosses feuilles des pays tropicaux. Donc, voilà pour celui-là. Un autre petite poupée sur le bord de la plage avec son parasol, la petite chaudière pour faire un château de sable. Donc, ça, je trouvais que ça allait bien. Et on a un autre décor super paradisiaque ici. Mais comme je vous dis, si vous avez ce livre-là, il y en a tout plein dedans qui pourrait fonctionner pour notre thème de ce mois-ci. Et moi, je crois bien que je vais aller dans ce livre-là pour réaliser mon colo. Je sais pas, je vous dirais que j'ai pas trop cherché à savoir lequel que moi j'allais faire. Mais j'opte beaucoup pour celui-ci. Donc, ensuite, j'en ai trouvé dans le livre de Camélia Angelkova, le 50 Summer Miniature. Et si vous avez ce livre-là, même chose, il y en a tout plein qui pourraient fonctionner. Mais moi, j'ai sélectionné la plage, bien sûr, la petite plage avec les petits coquillages. Je trouve que ça représente bien l'été. Sinon, il y en a un autre qui est la couverture. C'est le château de sable avec le petit chat. Mais comme je vous dis, il y en a tout plein dedans qui pourraient fonctionner. Ensuite, j'ai sorti mon chibi de Jade Summer, le volume 2. Et là, j'arrête pas de dire que je veux faire des chibis, j'en fais jamais. Donc, peut-être que j'irai dans ce livre-là pour le thème du mois. Ça sera un petit défi en même temps. Parce que, bon, j'ai tous les chibis, mais je n'ai fait
que deux colos dans mes chibis et j'adore pourtant ces livres-là, mais je sais pas, on dirait, je pense pas aller dedans. Donc peut-être que j'irai dans celui-là pour faire notre thème. Et dans lui aussi, il y en a tout plein. On a bien sûr le jardinage, ça fonctionne pour l'été. Ensuite, une autre petite surfeuse parmi la mer, donc ça fonctionne. On a celle-ci, le golf, hein? Le golf, c'est un sport d'été, donc ça fonctionne. Et j'ai trouvé celui-ci, hein, la petite poupée qui joue au ballon avec son carré, pas son carré, mais son château de sable, le petit crabe, on a le bateau derrière, donc ça, je trouve que ça s'apprête vraiment très, très bien pour notre thème vacances d'été. Donc voilà pour le Chibi volume 2. Ensuite, j'ai sorti le Circular Flag parce que je sais que vous êtes, suite à mon dernier haul, j'avais présenté ce livre-là. Et je sais que vous êtes plusieurs à vous l'avoir procuré, donc je me suis dit que ça serait bien d'en trouver un dedans. Donc, j'ai sélectionné ce décor merveilleux avec les flamants roses, les chutes d'eau. Je trouve que ça représente bien les vacances d'été. Et je pense bien peut-être le faire ce mois-ci. J'aimerais bien m'aventurer dans le livre puisque je n'ai pas eu le temps le mois passé. Et je l'ai regardé souvent, mais bon, j'y allais jamais. Donc, je vais me mettre un petit post-it. Parce que j'ai tellement de livres que des fois, il y a des livres que je dis, ah, oh, je vais aller colorier dedans, puis j'y vais pas. Donc là, vas-tu y arriver à mettre un post-it? Je sais pas. Donc là, je vais mettre un petit papier comme ça. Ben, je vais le laisser sur mon bureau et ça va me rappeler d'aller colorier dans ce livre-là. Donc voilà pour lui. Hein. Il y en a peut-être d'autres. Là, moi, j'avais sélectionné celui-là parce que j'avais eu un petit coup de cœur pour cette image-là quand j'ai reçu le livre. Mais voyez ici, bon, des coquillages. Ça aussi, ça peut fonctionner. Vous faites un décor de plage avec de l'eau, ça peut être super intéressant. Ça pourrait peut-être être un tuto que je pourrais vous faire. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Même si je pense que ça a déjà été fait sur d'autres chaînes. Mais bon, j'aurais peut-être une petite idée pour les coquillages. Donc, je vais mettre un petit post-it aussi sur celui-là. Et dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse le fond en vidéo. Là, je remets un post-it et j'ai les doigts tout secs. Je sais pas ce qui se passe avec ma peau, je suis toute sec. donc, j'ai la difficulté à tourner les pages ou à prendre des choses comme ça. Je vais devoir aller me procurer de la crème. La crème de petite madame. Donc, voilà pour le Circle of Life. Ensuite, bon, je vous avais présenté ce livre-là aussi. Hein. Vous savez que j'adore les mythographiques de Fabiana Attanasio. Donc, celui-là non plus, c'est un livre que je n'ai pas eu le temps d'aller colorier dedans et Paradise. Hein? Si vous l'avez, je suis certaine que vous allez trouver tout plein de dessins à faire. Donc, j'ai sélectionné celui-ci, les coupes avec, bon, encore une fois, des palmiers, des oiseaux. Hein? C'est des oiseaux de plage, des coquillages. On a même un morceau de plage ici, la clôture classique qu'on voit sur les plages. Donc, je trouve que celui-là s'apprête vraiment beaucoup aussi pour le thème du mois. Et il y en a probablement d'autres dedans. Bon, vous voyez celui-là, là, avec les flamants roses, ça, je trouve que ça représente bien les vacances. Donc, ça fonctionne. Ensuite, j'en ai trouvé un dans le Drumrise de Maria Troll. Et c'est la plage, bien sûr, la petite fille qui sort de l'eau et qui atterrit sur la plage. Ça pourrait très bien fonctionner pour le thème du mois. Et j'en ai trouvé un autre, et c'est celui-ci, les mains avec les coquillages. Ça pourrait être intéressant, encore une fois, de venir faire de l'eau, du sable, je sais pas trop comment on pourrait le décorer, mais ça pourrait être intéressant à faire. Donc voilà. Ensuite, j'en ai trouvé dans le Luna. Hein, j'essaie d'avancer ce livre-là au maximum parce que c'est un gros coup de cœur de Maria Troll pour moi. Et j'adore ce livre-là. Donc, j'ai sélectionné celui-ci. Bon, hein, des prés, ça peut fonctionner aussi pour représenter l'été. Peut-être moins les vacances, mais quand même. Ça peut être, oui, ça peut être des vacances. Pour ceux qui ont des chalets, qui vont passer les vacances au chalet, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai sélectionné celui-ci, qui est une jungle. Moi, ça me fait beaucoup penser aux vacances. Donc, ça peut fonctionner. Et il y en a d'autres dans le livre. Vous voyez celui-ci où la petite fille, elle se balance sur les lianes avec, bon, le courant d'eau qui passe, les feuilles. C'est des feuilles tropicales. Donc, ça fonctionne aussi pour les vacances. Donc, voilà pour le Luna. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova, hein, il fallait absolument que j'en trouve dans un Clara Markova, bien sûr. Donc, j'ai sélectionné
Celui-ci, la petite fille qui pêche. Bon, hein, pour moi, la pêche, ça représente l'été. Et en plus, elle pêche avec, bon, des petits fruits d'été, hein, les framboises, ce sont des fruits d'été. Donc, je trouve que ce colo-là s'apprête bien pour notre thème. Et bien sûr, j'ai sélectionné le stand de limonade, hein, puisque bon, c'est un classique, le stand de limonade, quand les vacances d'été commencent, je trouve que c'est un colo assez nostalgique pour faire notre thème du mois. Donc, il fonctionne. Et j'ai sélectionné les deux petites filles dans la ruche avec tout leur petite sucrerie. Je trouve que ce colo s'apprête bien pour l'arrivée de l'été. Voilà pour le Clara Markova. Ensuite, dans Anna Carzone, j'en ai trouvé dans le Season et j'ai sélectionné celui-ci qui est, bon, un cercle pour ceux qui n'ont pas envie de faire un colo trop long. Et c'est écrit Bright Summer Night. Donc, hein, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Ça représente bien l'été. Et j'ai aussi sélectionné cette page-ci avec les papillons et toutes les fraises. Je trouve que ça fait assez été, hein? Les papillons, les fraises, les chenilles, les petites fleurs d'été. Donc, ça pourrait bien fonctionner. Je vais mettre un petit post-it. J'aimerais bien le faire, celui-là. Donc, on va mettre un petit post-it ici. Voilà. En train de me construire une mini pack. Je vais pas faire une trop grosse pack, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir, je vais me faire une petite pack ce mois-ci. Dites-moi en commentaire et je vous ferai la vidéo. Dans le Magical Dawn, j'en ai trouvé un aussi. Et bon, moi, je l'ai déjà fait. Mais c'est cette page-ci avec les coquillages. Je pense qu'on peut beaucoup s'amuser à faire un effet de plage, tout ça. Et je suis certaine qu'il y en aurait d'autres, hein, qui pourraient fonctionner dans ce livre-là. Attendez, j'essaie de vous en trouver un autre qui pourrait fonctionner. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ah, ben voyez celui-là, là, le coquillage avec les cristaux, ça pourrait très bien fonctionner pour le thème du mois. Ensuite, je suis certaine qu'il y en a d'autres. Voyez, surtout aussi les insectes. Si vous avez envie de faire des insectes d'été, vous avez les papillons de nuit ou les coccinelles, ces choses-là. Donc, tout ça fonctionne pour l'été. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, où est-ce que j'ai sélectionné des coloriages, c'est dans le Jasmine Beckett Griffith, le Fantasy Art Aventure. Et je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé cette petite poupée-là, hein, qui fait pirate. Moi, ça me fait penser un petit peu aux Caraïbes. Donc, ça peut fonctionner pour le thème du mois. Il y a celle-ci qui est Amara and the Book, hein, qui est, ben, on peut dire, dans un pays chaud. Moi, je l'avais déjà fait, mais si vous ne l'avez pas fait, ça peut fonctionner pour le thème du mois. On a encore une fois des palmiers derrière. Et ensuite, j'ai sélectionné cette petite poupée qui semble être à Hawaï avec son volcan derrière elle. Ça aussi, ça pourrait fonctionner. Et je suis certaine qu'il y en a d'autres aussi dans le livre que je n'ai peut-être pas porté attention. Et si vous avez son livre de Mermaid aussi, de Jasmine Beckett Griffith, ça peut fonctionner parce qu'il y a toutes sortes de décors de plage. Moi, je l'ai, mais là, je ne l'ai pas pris pour vous montrer, mais je suis certaine que vous allez en trouver dedans. Donc, voilà, les amis, pour notre thème du mois qui est les vacances d'été. Donc, j'ai hâte de découvrir vos coloriages. Bon, je voulais vous dire aussi que sur Instagram, j'ai créé un hashtag qui s'appelle La Banque Colo de Zazou. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans la Banque Colo de Zazou qui est sur Facebook et que vous avez envie de participer au thème du mois, et que vous ne pouvez pas venir nous partager vos coloriages sur Facebook, ben sachez que j'ai créé un hashtag qui est hashtag la banque colo de Zazou. Je vous l'écris dans l'écran. Donc, vous n'avez qu'à poster votre coloriage sur Instagram. Vous mettez le hashtag la banque colo de Zazou et vous pouvez aussi écrire thème du mois, les vacances d'été. Donc, moi, je pourrai voir vos colos à partir de ce hashtag-là. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir nous rejoindre dans la Banque Colo de Zazou, qui est sur Facebook, mais vous pouvez partager aussi dans les deux. Voilà. Alors, j'espère que ce thème vous plaira. Moi, j'ai hâte de découvrir vos coloriages. Et bon, hein, on est-tu heureux quand l'été arrive? Bon, certains diront que c'est leur saison préférée. Moi, c'est l'hiver. Mais ça fait quand même plaisir de voir les chaleurs arriver et les vacances surtout. Donc, ben, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.